Le protectionnisme et l'autarcie technologique vont considérablement augmenter dans l'empire du milieu ces prochaines années. Selon une directive révélée par The Financial Times, le gouvernement chinois ne veut plus voir de matériel ou de logiciel d'origine étrangère dans ses administrations d'ici à 3 ans. C'est un travail colossal qui nécessitera de remplacer des dizaines de millions d'équipements matériels et de mettre en place une filière de production et d'approvisionnement complète, du petit composant électronique au logiciel applicatif, en passant par les disques durs, les processeurs, les systèmes d'exploitation et les firmwares. Les fournisseurs américains tels que HP, Dell, Microsoft ou Intel sont évidemment les premiers concernés par cette volonté d'isolement chinoise. La Chine veut que ses infrastructures critiques s'appuient sur des technologies sécurisées et contrôlables, comme cela est précisé dans la loi de cybersécurité de 2017. La politique agressive des États-Unis vis-à-vis de la Chine, et notamment le bannissement de Huawei, a certainement accéléré ce processus.